c'est un peu nul ce que je filme, mais on arrive au salon du deux roues. On est là en tant qu'exposant, putain, ça fait bizarre. On va décharger le stand et... juste là. C'est parti pour le salon du deux roues, mais cette fois-ci plus en tant que visiteur, mais en tant qu'exposant. Ouais, si on avait cru l'année dernière quand on y allait pour la première fois, vous aviez sûrement vu notre vidéo où on faisait notre petit tour du salon. C'est tellement immense qu'on avait fait que le tour des exposants Elec off-road principalement. Ouais, parce qu'on était resté qu'une journée l'année dernière. Et là pour le coup on avait le temps cette année de faire le tour complet parce que pour le public c'est 3 jours. Bah en fait normalement le jeudi c'est censé être réservé aux pros, mais cette année il y avait aussi du public, donc non, c'était du jeudi au dimanche. Voilà. Pour nous, ça a vraiment été une vraie épopée, quoi. Parce préparer le stand en amont, ce qui va être la déco, les panneaux, prévoir le truc, c'est déjà quelque chose. Ensuite, charger le pauvre petit berlingot qui est un peu plus avec la remorque, c'est encore autre chose. Faire le trajet, parce que nous, on est à 400 bornes du parc des expos. Ouais. Installer le truc le soir, enfin, c'est vraiment tout un truc. Les potes de Champéra, ils se sont un peu foutus de notre gueule au début. Déjà, on débarque avec notre sac de terre. Ah oui, mais la râteau sur le sac de terre qui fuit un peu en plus. Là. Du coup, ils disaient, oh, ils font du jardinage et tout. Puis finalement, après avoir mis 2 cailloux, des petites branches, des bouts de mousse et tout, ils étaient là, ah putain, c'est pas mal, c'est vraiment sympa et tout. L'année dernière, on était là en civil. En civil. Et vraiment, il n'y a pas un seul instant où je me suis dit, mais l'année prochaine, on aura notre stand. Non. Enfin, vraiment, c'est... Impossible. On avait croisé les mecs d'Ampéra pour la première fois. Oui. Bah oui. J'ai l'impression de les connaître depuis toute ma vie. Mais en fait, il s'est passé tellement de trucs. En un an, on a essayé leur moto, on est devenu partenaire avec eux, potes, et du coup, bah, un stand au salon du deux roues avec eux. L'idée, c'était que, au lieu d'avoir chacun notre petit stand en 3x3, eh ben on a pris un stand en 6x6 qu'on s'est coupé en deux. Ça faisait vraiment une bonne synergie entre nous, ambassadeurs électrique off-road, préparateurs et ventes pièces moto électriques, et eux, vendeurs Stark, fabricants Ampéra. Et Thomas a mis le kit transparent sur sa Ampéra, c'est grave beau. Avec le cadre orange magnifique. Et de l'autre côté, je vous fais, on voit l'électronique de partout. Et aussi leur pote, Olivier Moto, qui lui a une super moto à boîte de vitesse électrique. Ouais. Ah, j'attendais que ce soit plus haut. C'était assez haut comme ça, je trouve. Hein. Alors là, c'est comme une thermique. Ouais, desserre-le un peu, il va te faire chier. Ouais. Et là, si je lâche, elle avance pas. Non. Ah oui, voilà. Vous avez fait essayer sa moto aussi? Oui, donc on a essayé rapidement off-road. Nous, là, on aimerait l'essayer, c'est en supermote, parce qu'on roule pas en supermote, mais sa moto donne envie d'être essayé en supermote. La boîte de vitesse, tout ça, c'est des choses que nous, on veut plus voir en off-road. Genre, clairement, quand on a essayé l'Electric Motion, ça a été le dernier déclic de en cross, à la limite, en enduro, j'en parle même pas. Donc voilà, on l'a essayé, c'était cool. En routière, par contre, j'aimerais vraiment bien l'essayer. Bah, c'est là que la boîte a vraiment un avantage. Pour augmenter la plage d'utilisation du moteur, du coup, pouvoir monter plus loin en vitesse de pointe. Bon, déjà j'ai pu un peu plus enquiller. Bon, moi je suis quand même team frein au guidon. Hein. Ah oui, d'accord, j'imaginais pas du tout la piste comme ça. Ok. Ça marche. Oh. Dernier virage. C'est pas grave, on a filmé. Ouais, ça fait bien qu'il va tomber. Ça va. Bah, je commence à me prendre au jeu. Ce petit stand, il y avait un panel énorme de ce qui se fait dans l'Elec off-road en fait. Ouais, ouais, vraiment. Il y avait de la petite, alors bon, modifié. Il y avait de l'Ultra qui commençait à être un peu plus grosse, de la Stark full d'origine, la Ampéra, du rétrofit sans boîte de vitesse à la Stark, et le rétrofit d'Olivier avec une boîte. Une diversité dans si peu d'espace. Dans la partie électrique, en vrai, il y a 90% de mobilité urbaine, il y a un peu de off-road. Alors pour remettre dans le contexte, il faut expliquer que le salon de la moto, c'est le salon du deux roues. C'est vrai. Et du coup, voilà, ils ont fait un peu une scission du salon avec ce pôle électrique. Pour que ceux qui vraiment détestent l'électrique n'y aillent pas. Ils sont identifiés comme un endroit. Zone rouge. Non, mais qui commence à être sacrément grand. L'électrique avait quasiment un hall complet à lui tout seul. Hein. Ouais. Surtout que, bah, voilà, au final, Electric Motion était dans la partie thermique. En fait, il y a quelques acteurs comme l'importateur Suron Talaria, Deltamix, qui sont dans la partie thermique. Il y aurait un vrai hall en fait s'ils étaient là. Nous, on était entre un stand de scooter, une marque qui fait majoritairement de la mobilité électrique urbaine et qui avait une pseudo Light B. Et au milieu de ça, il y avait des motos énervées. La force de combiner avec AEV et Olivier, on a pu avoir un stand assez conséquent. En fait, dans le pôle Elec, c'est beaucoup des petites boîtes qui, et justement, quand c'est des grosses boîtes, genre zéro, bah, c'est côté thermique. On avait une place assez privilégiée en ayant un stand un peu imposant. Un peu imposant. C'était assez compliqué de se positionner. On est deux entités. Il y a Joe & Will, qui sont ambassadeurs électriques off-road, test de matos, test de moto électrique, et JW Shop, qui vendent de la pièce.
pour préparer Light B, etc. Et en fait, c'était assez compliqué de trouver cette balance, sachant qu'on savait qu'il n'allait pas y avoir 90% de gens qui ont une Light B et qui veulent acheter des pièces. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas de pièces exposées, parce qu'on s'est dit qu'elles soient sur les motos, ça suffit, même si effectivement, du coup, avec le recul, peut-être qu'on aurait dû mettre quand même des pièces. On avait vraiment ce truc de plus on faisait découvrir aux gens vraiment que vendre JW Shop en fait. Ouais, l'idée de ce stand c'était de dire regardez les gars, faire du tout-terrain avec une élec, on peut envoyer, ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule. On se marre, c'est cool, il y a de la vie, c'est jeune, il y a du rétrofit, il y a une moto, putain, c'est un vélo. Ouais, bah, il y avait nos beaux panneaux. Ça, c'est 80 chevaux, et ça, c'est quoi, ça fait 30 chevaux. Enfin, l'idée c'était de voilà d'impacter les gens qui connaissent pas et qui se disent l'élec c'est de la merde. C'était vraiment pour commencer à faire comprendre aux gens que ça existe. On a croisé des gens qui faisaient du surrun, des gens qui étaient intéressés par les pièces, des gens qu'on avait discuté juste sur les réseaux et que là c'était l'occasion de se voir. Mais la majorité des gens c'était qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais, c'est ça. Et notre vidéo qui tournait sur la télé, elle a beaucoup attiré du coup. Parce que les gens voyaient une petite élec et tout. Et puis après ils voyaient le coucher de soleil avec le gros whip, nous qui roulons avec des thermiques à Alenia et tout. Et du coup ils s'arrêtaient, ils étaient ok, d'accord. Il y avait plusieurs strates. Il y avait genre je passe, je vois un truc joli qui est à ma hauteur de mes yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, ça fait autant de chevaux, j'y crois pas. Je regarde la vidéo, ah peut-être, putain mais ça a l'air drôle. Et c'est là que je commençais à dire, je peux entamer une discussion. On avait mis des petites fiches où il y avait marqué effectivement que la Light B faisait 30 chevaux. Et vraiment les gens, voyais qu'ils disaient 30 chevaux, ouais. Il y avait beaucoup de gens aussi qui voyaient la Light B, qui passaient et qui disaient, mais c'est une Light B. Oui, il y a des gens qui connaissaient d'ailleurs. Je pense qu'ils n'étaient pas vraiment du milieu, mais ils avaient déjà entendu parler de la Light B. Ouais. Quand on leur disait, bah ça c'est une Light B, c'était là, ah bon. Ils reconnaissaient vraiment pas la moto d'origine avec les petits pneus, le gros phare. Non, puis même il n'y a pas de garde-boue et tout. Oui, c'est vrai, en plus on a voulu bien scinder la Talaria qui est vraiment en mode énervé MX avec son garde-boue très racé et la Light B totalement dépouillée sans le garde-boue, elle fait vraiment vélo elle pour le coup. Un peu comme quand on était à la LX Cup la première fois ou qu'on a fait les e-track day. Il y a plein de gens qu'on voit sur les groupes Facebook. Mmh. En plus, ils n'ont pas forcément leur tête sur leur photo de profil, c'est des logos ou une personne avec un casque et tout. Et de les voir en vrai, du coup, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est toujours super agréable de voir la personne discuter en vrai et tout. Tu analyses vraiment les types de personnes, typiquement vous. La majorité des gens qui regardent ces vidéos, soit vous voulez une Light B ou vous en avez une ou vous kiffez ou voilà. Forcément, on s'attendait à voir des gens comme ça. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup de gens un peu plus de l'ombre, genre je pense à l'admin du groupe Facebook historique de Suron en France. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Qui est un professionnel, qui est un vendeur. Ouais, puis il y a des gens, alors toi, du coup, t'es un peu moins sur les groupes et tout, mais moi, il y avait plein de gens, je pense à Conny Offroad, des gens comme ça, où ça discute, ça parle matos, machin, ah, t'as vu ça, cette nouveauté et tout. Et c'est des gens, du coup, de les voir en vrai, même si c'est 5 minutes, c'est cool, parce que derrière un écran, c'est bien, mais normalement, le Offroad, alors, ok, on est dans un salon, mais c'est de l'humain. Et c'est pour ça, comme dit, nous, on n'était pas là en tant que JW Shop spécialement. Alors, effectivement, il y a eu 2-3 contacts, mais vraiment, en tant que, l'électrique Offroad, c'est là, c'est cool, et puis ça rassemble du monde. Ouais. On fait des vidéos, des maths sur les réseaux sociaux et on vend à distance. Tu vois. Donc ça fait du bien d'avoir du contact. En fait, on reconnecte avec le monde réel. Clairement. En fait. Et en plus, on a un coin de la France un peu perdu où tout le monde roule un peu dans son coin. Ouais, c'est ça. La majorité du temps, on roule que nous deux. Au quotidien, nous, le Suron, c'est presque nous deux. Quoi. Alors, en fait, c'est un vrai monde énorme et ça nous permet à ce moment-là de. Bah, même, ça fait juste plaisir de discuter avec des gens en réel, avec quelqu'un d'autre que toi ou nos copines. C'est ça, en fait. On saoule nos meufs ou alors on parle, nous, de ça. Mais en fait, il y a d'autres gens en France qui ont envie de parler de ça et qui parlent de ça. Mais aussi, voilà, beaucoup de pros. Donc, des revendeurs aussi, des gens en B2B qui aussi, on a une relation où ça se vend des pièces, ça se contacte, ça cède, ça s'envoie des tips et tout. On le dit pas forcément sur les réseaux, mais quand on faisait que des vidéos, entre guillemets, on était les potes de tout le monde. Depuis qu'on est rentré dans le business, c'est plus le monde des bisounours. C'est quand même cool, du coup, de voir certains pros qui. Exactement, de voir des pros qui soutiennent et qui sont conscients. On en a quand même un qui nous a dit. Le Suron n'en serait pas là si vous n'avez pas été là. Alors en France, du moins. Alors que le mec, c'est un vendeur Suron et tout. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça permet de prendre du recul sur toutes les balles qu'on se prend aussi un peu dans nous dans notre dos. Ça a permis des fois aussi de détendre des situations, de se voir en vrai, de se dire putain mais en fait les gars on a la chance de tous bosser dans un milieu de fou qu'on kiffe. On a pu faire quand même un tour du salon, donc on vous a pas fait un truc comme l'année dernière où on est là, on parle au milieu de tout le monde, puis on essayait de faire assez vite pour revenir sur le stand. Mais on a quand même fait le tour des nouveautés que nous on trouve intéressantes. On a croisé quelques copains, puisqu'on a croisé nos copains de chez LMX, qu'on va bientôt revoir pour essayer leur vélo électrique. Eux leur vélo c'est entre la Light B et le vélo. Ouais. Genre du coup ça va être vraiment cool, puis moi ça va me reconnecter avec un monde que j'ai quitté avec les racines, littéralement. Les copains de chez Electric Motion, on avait vu eux il n'y a pas si longtemps, mais du coup, vraiment chouette. Les news de chez Electric Motion, normalement, vous les avez vus dans cette vidéo. Il y avait Suron et là, rien de nouveau, si la Ultra B avec le cadre noir, les prépas de différents revendeurs. Paul Scout qui avait mis une Light B full prépa EXT IBMX violette qui a roulé au RXF avec moi. Il y avait celle de Eri de Hightech 68, la Light B avec la chenille, mais côté Suron, pas de nouveauté. Bon, après, voilà, il y a l'Ultra.
Trabi qui est arrivé il y a pas longtemps. Mm-hmm. Mais côté Talaria, bah Talaria il se bouge hein. Et c'était la conclusion qu'on faisait encore pendant notre test de la TL4000. Où est Suron? Mais que font-ils? Maintenant en fait Suron ça appartient à un groupe d'investisseurs, je crois. Il me semble avoir entendu comme ça, c'est à prendre avec des pincettes, je suis pas sûr. Okay. Ouais, Talaria, il y avait bah déjà il y avait plein de petites pas des prépas on va dire mais avec des kits déco. La Talaria TL, je sais pas combien en édition limitée, Sting Air juste avec la Dorado Pro. Bon ça, fourche en carbone sur une moto électrique. Voilà, c'est cool qu'ils aient mis une fourche haut de gamme. Par contre derrière ils ont mis un DNN quoi. Ouais, c'est bizarre. Hein. En fait, je trouve ça dommage de faire une édition limitée, de mettre une méga fourche et de mettre un DNM. À la limite, un fast ice. Ouais. Là, j'avoue que c'est un morto. C'est dommage, vraiment dommage. Bah, c'est ce que tout le monde demande sur les rugby, hein, d'avoir une version un peu plus chère, un peu mieux. Il y a le contrôle aussi qui est différent. 1 kW de puissance en plus. On est quasiment à 10 kW. Ouais, ou... je crois que c'est 9. 11, mais bon, à voir parce que déjà, Torp, maintenant, qui ont mesuré sur la TL4000 où c'est pas 8 kW, c'est 7. Ah ouais. Ouais. Moto super intéressante avec bah, du coup une meilleure fourche, des pièces anodisées rouges avec bah, biellette, triangle, la potence, les moyeux de roue. Des Magura aussi. Des Magura. Bon, les roues, les rayons, j'ai très faim. Mais voilà, du coup, c'était cool. Mais je pense que Talaria, voilà, travaille sur proposer des motos. En tout cas, ils le font, quoi. Ouais, alors, voilà. Autant l'année prochaine, tu vois, ils sortent peut-être un combo avec des suspensions un peu plus logiques. Alors que sur Suron, il n'y a rien. Bah, en même temps, sur Suron, tellement le monopole qu'ils vendent des bécanes. Ouais. Et du coup, il y avait la Talaria Dragon. Je la trouvais plus jolie en vrai qu'en photo. C'était intéressant, en fait, de voir que c'est une moto qui va plus se placer entre la Ultra B et la Storm B. Ouais. Parce qu'elle fera plus de 100 kg. En fait, les choses qu'ont retenu les gens qui étaient intéressantes, c'est qu'elle va arriver directement en 21-18 avec 23 kW de puissance, une batterie de 80 volts et pas mal d'ampères quand même, sans que ce soit une batterie de fou, c'est déjà quand même pas mal. En fait, elle coche tout ce que la Ultra B nécessite d'être upgrade. Oui, elle a plus de puissance, mais au final, on va vider la batterie aussi vite que sur une Ultra, donc mais elle fait aussi 20 kg de plus. Suspension et roues, enfin un mec qui roulait une Ultra B cross. Non, je suis d'accord. Tu vois, non, mais même sur ça en fait. En soi, la Ultra B dirait qu'il faut changer roue pneu, celle-là, bah t'auras déjà ça. Ok, peut-être tu changeras une batterie si tu veux beaucoup plus d'autonomie, mais potentiellement, t'auras même pas besoin de changer de contrôleur du coup, vu que t'as déjà 23 kW de puissance. Oui, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est il y a beaucoup de carénage plastique. Alors, c'est pas des carénages comme une moto, c'est vraiment l'impression que par dessus la forme du cadre ils ont rajouté des plastiques. Moi je trouvais ça pas très joli, bon après c'est subjectif, mais du coup elle faisait aussi très large. J'ai pas réussi à me rendre compte parce qu'elle était vachement haute. Après en roulant autant ce sera pas gênant, mais je trouvais qu'elle faisait quand même assez massive. Le bras, il y a des grandes cavités, je ne comprends pas pourquoi là par exemple ils ont pas mis un plastique, parce que autant en termes de fabrication je peux comprendre qu'il y a un trou, mais là tu mets un plastique parce que là il va y avoir tellement de terre, de boue qui va s'accumuler. La chose qui est bien par contre, c'est la TL4000, t'as les deux grosses vis et t'as la boîte qui arrive, mais entre le pignon et le bras il y a rien, donc la boîte peut bouger. C'est pour ça qu'il y a des fois des cases de boîte de TL, même si au final on est quand même assez rare, j'ai l'impression. Maintenant qu'on a le recul, on peut le dire, c'est rare qu'il y ait des cases de boîte. Mais là, la boîte et le pignon sont tenus par les vis. Donc là, il y a vraiment tout l'ensemble Je pense qu'ils ont dû faire des tests. Bah... Il y a 23 kW, mon gars, ils ont dû en racheter des boîtes. Ouais, mais puis même, autant ça veut dire que cette technologie-là va arriver sur une future Talaria. Oui, voilà, c'est aussi le même système de cascade de pignon que sur la TL4000 qu'on connaît. Ils ont été sur la. Plus gros en fait. Ouais. Mais vraiment, on a hâte de l'essayer. C'est une moto qu'on essaiera, qu'on achètera en perso. Peut-être pas qu'on gardera. Vu qu'on a préparé une Ultra qui nous a quand même demandé beaucoup de boulot et qu'on aime bien, mais au moins on l'aura, on fera les tests qu'il y aura et puis on la vendra, et au moins comme ça 100% objectif. Moi j'ai hâte de voir si je vais m'y faire au look comme je me suis fait au look de la TL4000. Au début j'avais du mal, honnêtement j'ai toujours plus de mal avec le look de la TL4000 que la Dragon que j'ai vu. En fait la TL4000 j'ai du mal avec ce double cadre la patte qui part, alors que là le seul truc que je trouve un peu moche c'est la boucle arrière qui est très droite, mais honnêtement en vrai ça m'a vraiment pas choqué. Vraiment moi je préfère beaucoup plus le look de la Dragon que de la TL4000. Les suspensions sur la Dragon, c'est-à-dire je les attends en tournant là-dessus. Apparemment c'est du Kayaba. Au début quand c'est sorti je me suis dit ouais, est-ce que les mecs ils ont pas collé un sticker, histoire de dire. Ça a l'air quand même d'être officiel, mais bon, ok, Kayaba c'est une super grande marque, c'est cool s'ils ont fait un produit entrée de gamme, mais j'attends de voir pour essayer, parce que en soi ce serait la première fois qu'ils feraient du produit entrée de gamme. Si ça marche comme du Fast Ace, bah... Avant qu'on enchaîne sur un autre modèle, moi j'aimerais parler de la Stark Varg, parce que putain il y en avait partout. Ouais, je sais plus qui nous disait, ils sont très intelligents chez Stark, pas de stand, ils sont nulle part, mais elle est partout. Vraiment, je pense qu'au total, il y en avait une grosse dizaine, sans parler de la compétition, où là, il y en avait beaucoup aussi. D'ailleurs, petit aparté sur le RXF, du coup, il y en avait 8 qui roulaient en catégorie électrique, et il y en avait qui roulaient avec les thermiques, parce que c'était possible, et du coup, bah, celle qui a roulé avec les thermiques, elle a gagné. Pour vous dire à quel point on en a de partout, on a des fournisseurs qui nous envoient des catalogues. Sur la pochette, on a quoi? Une Stark Varg chez Morocco.
Vraiment, c'est la moto du moment et c'est trop bien pour le futur, ça. Même s'il y en a qui critiquent. Ouais, mais de moins en moins ça critique. Hein. Quand les gens commencent à se rendre compte qu'en une heure de cross, ils sont déjà bien rincés. Le truc où les gens ils ont tilté sans parler d'autonomie, c'est quand je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que techniquement, on pourrait faire des after-work cross, roulage 100% électrique, genre le mardi. Tu finis de travailler de 18 à 21 heures l'été. T'as une session cross à côté de ton village, dans le terrain que t'aimes bien, barbecue et tout. Alors que ça, en termine jamais de la vie. Et là, il y a des gens qui ont fait. Wow, genre, ils sont même pas imaginés rouler la semaine tu en cross. Sur un... Ouais, je sais plus avec qui je discutais de ça. Il y a le responsable de Star qui passait sur le stand. Responsable France, un mec qui a bossé chez KTM pendant 15 ans, je crois, il disait. Un mec trop sympa. Ils écoutent les retours, ça va vraiment évoluer. Maintenant, les délais, c'est hyper rapide pour recevoir une moto. Il y a des évolutions qui vont arriver sur la batterie, que ce soit en termes de poids ou d'autonomie. Je pense qu'on est dans l'entre-deux où c'est cool, mais. Il manque encore un peu. Je dirais 20, après 20-30%, c'est énorme. Ouais, mais 15-20%, ouais. Pour beaucoup de pilotes, ça suffirait. Il y aura toujours les mecs qui font 3 heures de roulage dans la journée, ça sera pas assez. Mais ça va bouger, c'était vraiment cool de discuter avec lui. On a eu confirmation du coup qu'on pourra aller chez Stark visiter l'usine, mais pas tout de suite. Ils attendent encore un peu de se développer. C'est vraiment très cool. Il y a aussi un gars qui veut créer un festival tout-terrain électrique. On a les distributeurs Talaria Espagne sur notre stand aussi, intrigués, qui ont bien collé quand même en voyant notre TL4000. C'était rigolo de voir les deux bonhommes full black avec le placard Talaria. Wow, salut, enchanté. Moi, ce que j'aimais le plus, c'était parler justement avec les gens qui sont anti, tu vois. Ah oui, qui sont hyper dubitatifs. Quand vraiment je sentais que ça s'arrêtait, que ça lisait, que des fois ils étaient dans le déni, tu sais, genre en mode 34 chevaux, impossible, tu sais, ils sont ils croient pas du tout et tout. Et j'aimais bien y aller et j'avais une petite phrase d'accroche que je me suis trouvé à force. Je te l'ai piqué aussi. Voilà, qui permet en une réponse de savoir l'état d'esprit du mec. Intrigue. Est-ce que ça vous intrigue? C'est pas genre est-ce que t'aimes bien ou est-ce que t'aimes pas. Ça laisse la marge de voir. Ça faisait 2 minutes qu'ils étaient en train de lire la fiche technique et de se poser des questions. Je leur dis ça vous intrigue et ils me disent non. Mais je t'ai pas demandé si t'aimes bien, juste ça attise ta curiosité. Non, c'est toujours intéressant. Il y en a, t'arriveras jamais à les convaincre, mais c'est quand même intéressant d'avoir les retours, de savoir ce qu'ils pensent. Oui. Non, en fait, les gens pensent que vu qu'on roule en électrique, et on le voit encore dans des commentaires YouTube, c'est parce qu'on roule en électrique, on est bobo écolo, on n'aime pas le bruit, on n'aime pas l'odeur de l'essence. Mm. Enfin, on le répétera jamais assez, hein, mais toi, t'as un phaser qui prend combien de tours minutes? 12. 12 000. Moi, j'ai un bon V6 Atmo qui prend 7-8 000 tours minutes. Le bruit, on aime. Bah oui. Mais à certains moments, sur la route notamment. Mais c'est quand même toujours intéressant de débattre avec ces gens. Et souvent, c'est pas des gens cons. Enfin, genre, quand tu leur expliques les choses, c'est pas comme les réseaux en fait. C'est des gens où ils sont quand même. Ils te font comprendre pourquoi ils aiment, mais ils sont pas en mode ah, me parlez pas avec vos machines électriques là. Non, puis ils sont mis face à. Enfin, genre, le panneau immense où on est dans la forêt. J'ai capté la clé du discours en fait. C'est pas une moto, c'est une nouvelle discipline faite pour faire autre chose. Tu achètes pas une Light B en te disant que tu mets de côté ta 300 KTM. Qu'il y a la Light B vraiment collée à l'Ampera, ça permettait d'avoir d'illustrer. En fait, on avait toutes les cartes en main pour faire comprendre aux mecs ce que c'était en 2-2. Genre le panneau génial de la forêt, machin. La bécane posée sur son lit de terre. Là, on se rend compte qu'elle rentre dans un kangou. À côté, il y a la grosse aussi qui existe. Et genre vraiment, notre stand, c'était vraiment la carte de visite ultime de l'offre des lacs, quoi. Ça vous parle, ça? C'est la Apollo RFN Sedna. C'est une moto qu'on a pas mal vu passer sur des groupes étrangers, notamment sous la marque Beta. En fait, c'est une moto qui est sur le papier intéressante. Bon, en termes de suspension, c'est pas incroyable. En termes de cadre, elle est cool. En termes de batterie, elle est cool. En termes de puissance, elle est cool. Je pense que c'est une très bonne moto, mais voilà, elle va faire 70 kg et plus, je crois. Je sais plus exactement le poids. On est bien assis dessus, hein. Moi, j'aimais bien la position. Ouais, non, c'est cool. Il y a la longue selle. Ouais. Potentiellement, on pourrait l'essayer. Faut qu'on les contacte. Et ça peut être cool de l'essayer parce qu'en vrai, parmi toutes les nouveautés, je pense que c'est quand même une bonne concurrente. Il n'y a personne qui arrive à refaire ce gabarit Light B, vraiment petite électrique. Dans ce poids-là. Ce poids-là, ces dimensions, de ce côté vraiment vélo que les gens ils aiment. C'est direct, on est direct sur des trucs plus grands, plus gros, plus lourds. Bah pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, il y avait la LMX 161 qui pouvait se rapprocher un peu d'une concurrente Light B, qui du coup pour l'instant est mise en pause. On en parlera dans la vidéo de LMX, mais ils sont en train de carburer sur vélo, ils focus là où ça marche. La Talaria, ça boîte la plus proche, c'est quand même autre chose. C'est clair, hein. Y a plein de gens qui ont dit avoir essayé la Talaria, mais qui veulent ces 10 kilos de moins, joueurs, vélo et tout. Et même nous, en contre, kiffer à chaque fois, on redécouvre vraiment ce qu'est une Light B. En fait, en vrai, nous, on ne roule plus une Light B. Hein. En fait, une Light B préparée, c'est plus tellement l'esprit Light B. Ça reste méga joueur, mais. Ça devient une. Des fois, on aimerait avoir une Light B avec juste une batterie custom pour un peu plus d'autonomie, un poil plus de puissance, mais garder roule 19-19, sautiller de partout, tu vois. Vraiment, c'est le truc trop bien de la Light B qui manque un peu. Alors, on disait que personne n'arrive à faire une Light B. J'ai bien aimé
y a quelqu'un qui nous a sorti le terme sur-on-like. Oui, sur-on-like. Il y a beaucoup de sur-on-like. Et effectivement, chaque marque chinoise essaie de faire sa like bill. Ah ouais, il y a tellement de copies. Il y a ceux qui vraiment ont vu que ça se vendait. Ils se sont dit, faites-moi à peu près ça. Et il y a ceux qui se sont dit, faites ça et on sait que c'est bien fait et on essaie de le faire bien. Bah, autant la Talaria, j'ai fait la blague quand elle est sortie de dire, c'est une copie chinoise d'une moto chinoise. En fait, non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Genre là, on a vraiment des copies chinoises de la Light B qui arrivent où tu vois que le capot en injection, il est ça fait c'est moche. Côté de nous, il y avait Niu. Eux, ils ont quand même essayé de faire un truc différent. Bah en fait, ils ont mis l'identité de la Light B, petite moto sympa, un peu off-road, même si plus lourde. Mais avec voilà, un carénage et une utilisation plus urbaine. Ils ont réussi à coller leur mentalité sur un gabarit Light B. Ouais. Ils ont pas copié la Light B et l'essence de la Light B. C'est quand même plus gros qu'une Talaria encore une fois, mais ouais, ça fait aussi 70 kilos et tout. Vraiment le coup de Rerod et Barod, j'étais en mode mais ouais, qu'il y a une copie de la Suron et qu'ensuite il y a une copie de la copie de la Suron, ah, moi, ça m'a vraiment fumé genre. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des gens, ils connaissent vite fait, ils ont entendu, ils ont vu vite fait, et ils vont aller chez ces marques-là, et les commerciaux, ils vont les attraper. On a un mec qui est venu sur stand et qui nous a dit, j'ai acheté ça, je sais plus, et en fait, bah, le gars derrière, il y avait zéro aftermarket, zéro info de quoi que ce soit, et le mec, il sent con, il a acheté une bécane, peut-être sur le coup un peu moins cher. Mais après, t'es bloqué, ouais. T'es bloqué, quoi. Ce qui m'a fait rire surtout, c'est que j'ai vu une Suron Like thermique. J'ai la photo. On a vu enfin la Honda. CRI, ouais, je sais pas quoi. Ouais. Que dire, c'est beau, c'est Honda, il y a les beaux plastiques, le beau moteur. Donc il y en a qui ont dit qu'il y avait des petites modifs et tout, mais le cadre c'est une CRF. Ce que je trouve dommage, c'est un pionnier de la moto et ils prennent aucun risque. L'électrique, ouais, vas-y, on s'y intéresse, on se fait pas chier, on prend le même châssis, on met notre moteur électrique, on met une batterie. C'est pas grave si elle est plus petite, de toute façon elle va rouler que sur des petites compétitions. Je trouve ça dommage quand tu vois qu'il y a Stark, une marque qui sort de nulle part, se font chier à penser un cadre tout autour de l'électrique. Je sais pas si vous avez déjà comparé le cadre de la Stark à une thermique. Le cadre à l'avance est fixé sur le moteur. C'est un cadre en plusieurs parties, alors qu'une thermique, ça va rejoindre en bas le truc des cale-pieds et tout. En fait, et voilà, ils se sont fait chier à faire du dev. Ouais. C'est tellement une techno différente. C'est juste con qu'une boîte qui a autant de moyens et d'argent fasse pas justement du coup une concurrente à la Stark de fou. C'est une belle moto, c'est cool d'en voir une. C'est cool de voir qu'en vrai ils se lancent dedans. Il y a plein de gens qui sont ultra hypés, moi sans plus. Je dis pas que j'aimerais pas l'essayer, que oui, si on l'essaye, on va pas trouver que c'est une bonne moto. Justement, j'aimerais limite qu'on prouve le contraire en étant dessus, en me disant merde, c'est ouf quoi. Ouais. Quand tu vois la taille de la batterie, tu te dis mais déjà tout le monde se plaint pour la Stark. Oui, non mais moi je pense que voilà, il y a rien à rajouter. Alors, on verra comment ça évolue hein, dans les années à venir. On a eu le temps de se balader côté thermique, d'aller kiffer un peu côté Harley, côté voilà. Ouais, et on est tombé sur le stand de Zéro Motorcycle. Oui. Sur lesquels on s'est jamais trop attardé parce que nous on était sur le côté off-road, voilà. Ils font quand même des produits, des trails, tu vois. Moi j'avais oublié le trail. Je pense à leur Mototron, que je trouve incroyable. Oui, bon, enfin voilà, la Mototron incroyable. Mais oui, le trail. On touche un peu du coup à tout ce qui est off-road dans les legs et un jour j'espère qu'on aura l'occasion d'essayer le trail et ce genre de format. Notre petit fantasme, c'est traverser la Corse par le chemin qui traverse la Corse. Oui. Comment il s'appelle, le fer en trail électrique. On verra ce que donnent les perfs d'une élec sur justement cette utilisation aujourd'hui impossible en élec qui est de faire des bornes. Oui. J'ai hâte de voir le monde du trail si en élec ça va prendre quoi. L'autre moto qu'on n'a pas vue mais que moi je l'attendais, c'était la Cove électrique qui n'était pas présente. Mais il y avait les Cove de trail qui, d'après Amixtest, sont super bonnes machines et du coup j'ai peut-être espoir que Cove essaie de faire une déclinaison. Non, c'est pas une moto de trail, c'est plus un. C'est une rallye. Ouais, c'est une rallye. Les bécanes qui font le Dakar, c'est des trails quasiment, ça fait un peu moins de bornes. Peut-être que dans un vrai trail, tu auras plus d'autonomie que dans une rallye. En fait, qui est en fait une cross. Tu peux pas du coup faire comme une moto de Dakar où tu mets des réservoirs à l'arrière, enfin c'est plus compliqué. En parlant des mix tests, alors toi c'était pas là. Je suis déçu d'avoir eu cette discussion sans toi. En fait, je passais voir Gobi qui était sur le même stand qu'eux. Je me trimballais la ultra prépa là. Vous trouvez un nom au lieu de ultra prépa. Là. Bon bref, je me balade, il me regarde mes settings suspension là. Je me barre avec et puis il y a Raph qui. MX test, c'est Raph, cadreur et pratiquant débutant, et Pierry qui roule fort. Débutant, hein, qui roule quand même. Oui, mais bon voilà, dans les deux, c'est plus lui le débutant. Et bref, du coup, il voit, c'est une moto élec, et du coup, il vient me voir et tout, il me fait, c'est quoi et tout? Bah, c'est une ultra bif, ah ouais et tout, parce que bah, forcément, elle est trafiquée dans tout le sens, tout, donc on discute. Et du coup, je leur dis, vous essayez quand la Stark? Et du coup, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de faire un test longue durée, parce que eux, c'est vraiment le thermique depuis toujours. Et il a dit une phrase que j'ai pris comme ça, et
je l'ai serré au fond de moi. Il a dit, si je dois vendre ma thermique, je prendrai une Starkvar. En fait, je pense qu'il a un niveau assez proche du nôtre. Il a dit, l'autonomie, ça me suffit. Les gens sur les terrains qui se plaignent qu'on est en électrique, même avec un groupe électrogène, il a dit, ils me font bien rire parce qu'ils oublient que leur propre moto roule à l'essence et qu'ils font du bruit et qu'on roule avec une électrique. Pas parce que ça fait pas de bruit, mais pour le plaisir de pilotage. Il en a marre de la mécanique. Quand il me l'a dit, j'ai. Oh. Raph, merci. Un mec qui soit autant dans le thermique, ouais, qui dit ça. Et ça fait plaisir de se dire qu'on est au début d'une ère. Ça devient sérieux et qu'on est plus juste deux aliens là. Où... Toi, j'espère ouais. que si vous voyez cette vidéo, les gars, vous ne nous en voudrez pas d'avoir lâché la conclusion de votre vidéo sur la Stark avant que vous ayez sorti la vidéo. Autant, ils vont même pas le dire par peur de froisser trop de monde. Non, je pense pas, eux qui testent autant de motos. Tu roules à combien là de chevaux? 45. Ouais, 45, j'ai l'impression que c'est bien. Ah, où tu 45 chevaux, ça va. Bah après, il y a le poids qui va avec. Ouais, c'est ça. Mon petit encart sur le RXF. RXF, c'est la course de Supercross du Salon de Lyon. Supercross indoor amateur, donc c'est pas hardcore. Bah c'est hardcore parce qu'il y a que des amateurs, justement. On en reparlera. J'avoue qu'avec Jo, on n'est vraiment pas compétition. On a fait le League Tour, c'était cool, mais on l'a pas refait parce qu'on avait pas envie de se faire découper, parce qu'il y avait des niveaux de ouf et tout. Je crois que t'es plus quand même compétition que moi. Ah ouais, mais si toi, sur une échelle de 1 à 10, t'es à 1, je suis à 2. Oui. Genre, en fait là j'avais surtout envie de rouler parce que c'est un terrain assez atypique et parce que ça fait 6 mois que je travaille sur cette putain de ultra bi et que là c'était le moment de faire le premier essai. Et en vrai c'était un bon test du coup. Donc je me suis dit on va participer au RXF. Je me suis dit déjà j'ai un stand pendant 4 jours donc je vais pas m'amuser à faire le fou et à risquer de me buter. Allez, on commence à faire du freestyle. Allez, Jess. Toi t'étais serein, moi je me disais la moto elle a jamais roulé et le mec il va l'essayer sur des doubles. En fait, et puis pour la petite histoire, on n'a jamais reçu une roue avant qu'on avait commandée. Du coup, j'ai dû commander une roue d'occasion, j'ai dû trouver la seule roue de KTM Freeride du bon coin à vendre sur l'année, que j'ai montée le jour même du départ. La première fois que j'ai roulé la moto, c'est au RXF, donc je me suis dit putain William, t'as bien serré l'été, t'as bien serré l'axe du bras. Et au final, je suis content parce que j'ai bien fait mon boulot de préparateur et j'ai dû adapter une fourche de 85 sur l'Ultra Bi qui est pas prévu pour. La moto roulait très bien, j'ai réglé le contrôleur le soir, j'ai envoyé des messages à Mathieu de IBMX France et je me suis dit bah le RXF moi je veux juste rouler. J'ai roulé tranquille et je crois que j'étais 12 ou 11, je sais plus. Le terrain déjà je le trouvais gros, je me suis dit même en ultra c'est gros, même si au final pour les Ultra Stark c'est parfait, mais je me suis dit mais les mecs en Light Bi mais qu'est-ce que vous faites là. Alors les mecs qui roulaient très fort, qui arrivaient tout le temps à être pile dans les récepts, en vrai ils ont pu rouler. Le problème c'est que le moindre cours c'était des doubles donc ça tapait fort, ou même un long hein, ouais, après le long fallait vraiment y aller. Oui. J'ai quand même pris cher alors que j'avais juste un amortisseur trop mou, alors vraiment trop mou parce qu'à chaque fois que j'étais à peine court, on met vraiment la roue arrière sur la crête, en fait j'ai le pneu qui vient toucher sur la Ultra Bi. Sur une roue 19 tu mets un gros pneu, ça peut venir un peu toucher le dessous de la selle vraiment quand ça talonne. Dès que je voyais un mec qui me collait, je me mets sur le côté, je le laissais passer, j'étais en mode vas-y vas-y. Il y a la pilote à Eri, là, je sais pas comment elle s'appelle, qui est une fille qui a 15 ans, elle roule. Elle bombarde. Hein. Elle a 10 fois plus de cardio que moi. Je me suis amusé, je me suis fait plaisir, le terrain était très cool, le gros camel était incroyable à rouler. Il y a Thomas, le réunionnais, notre pote qu'on a découvert sur un. Enfin, qu'on a rencontré et découvert du coup sur un E-Track D. Puissance d'origine. Juste un torp. Un torp, mais batterie d'origine. Ah ouais, ouais. Et il a une roue de 16 pourtant. Et le mec, on mettra des extraits, je les filme en GoPro, des gros travers. Enfin, genre vraiment, c'était incroyable à le suivre. Celui qui a gagné, il a gagné en ultra bi d'origine. Batterie d'origine, 17 kW, suspension d'origine, prépa Gobi, 19-19. Eh ben, c'est prépa Gobi aussi. Ouais, c'est un pote à lui. Et eh ben, c'est lui qui a gagné face à des Stark Varg. Alors bon, ça n'empêche pas le fait qu'il roule très bien. C'est le demi-frère de Dylan Ferrandis. Je suis allé chez lui, bah, c'est Las Bedas, il a un terrain de fou, voilà il roule le plus longtemps, mais bon ça empêche pas que le mec en ultra bi 17 kW il a gagné face à des Stark Varg. Allez on part en catégorie de proto avec la plaque numéro 2, Jesse Ruer, attention à la classe, allez mon Jess, en catégorie de proto, allez c'est parti Jess Ruer pour
Le seul truc pas cool qui est arrivé, premier tour, je pars, comme dit, moi je laisse passer un peu les gens. Alors déjà, il y a des mecs qui se pètent la gueule en Stark, on slalom. Et devant moi, il y a deux mecs, un mec en Talaria et un mec en Light B. Et le mec en Light B, pourtant, c'est un mec qui roule en cross. Il fait des grands écarts, à un moment, il sort du terrain, il shoot un bord de piste là, on le voit sur la vidéo, il en shoot un, il le met au milieu de la piste. Celui avec la Talaria, il me laisse passer. Et ce mec là, il y a la grande ligne droite, et puis il y va, et plutôt dans le tour, moi d'ailleurs, j'avais sauté à côté de gens qui sautent pas, mais tu gardes ta ligne. Il a pas sauté, et il a coupé le saut. Moi, je me suis mis un peu court sur le saut, mais il a eu de la chance parce que si je me mettais un mètre plus loin, j'atterrissais sur son dos. Et là, je pense que je le détruisais. Mmh. Vraiment, je me suis dit, je vais tuer quelqu'un. Enfin, je le vois en dessous avec sa petite light bee là, et je fais, oh, mais on va mourir tous les deux. Je chope sa roue arrière, et du coup, je pars, je fais une roulade du seigneur. Tout le monde m'a dit, genre, mais comment t'es tombé? Genre, après, j'ai fait un peu de judo dans ma jeunesse. En vrai, je sais pas si c'est ça ou l'habitude, mais bon, j'ai réussi à rouler, je me suis relevé direct. Le guidon, il a quoi? Il est juste comme ça? Le guidon est comme ça, le levier est mort. Ça, c'est dressé. Le guidon, ça va, il a pas la fourche là, la roue, elle est en Y. Ça m'a fait mal au cœur. Tu passes 6 mois sur une ultra bi, tu roules 5 minutes avec et t'es en mode, oh non, putain, tout est détruit. J'ai quand même fait le reste de la course avec un levier qui faisait que j'ai remonté. Bon, c'était pas très confortable. Le garde-boue, il y a un peu une raye, on a remplacé le levier. Le dessus du maître cylindre, un coup de feutre noir et puis ce sera bon. Il y a plein de gens qui participent là parce qu'ils disent c'est la seule fois de ma vie que je vais faire du SX en oui, indoor. Oui. Ah bah oui, non, bah clairement. En fait, c'est le kiff de faire une course en indoor avec du monde qui regarde, des enchaînements un peu plus typés supercross. L'année prochaine, je sais pas si je le referai parce que l'organisation de la course, il y a vraiment des trucs qui m'ont saoulé. En tout cas, en ayant un stand à côté à gérer. Après, peut-être que du coup, je sais à quoi m'attendre. Il y avait aussi le commentateur qui était... Après, moi, ça, je l'ai moins vécu parce que du coup, je roulais. En fait, c'était ridicule. Genre, c'était triste. C'était une suite de clichés. Alors, pour le premier décollage, tous les gamins vont acheter du surone. Il y avait une manche de 7 minutes et il disait bon voilà les Stark Drag elles ont plus que la moitié d'autonomie tu vois. Ouais, alors que pas du tout. Une manche c'était même pas 10% de batterie. Bon bah là ça roule même si on n'entend pas. Hein. C'est électrique mais ça fait pas de bruit. Je peux vous dire qu'ils mettent des coups de gaz. Regardez, allez. Tu peux pas genre avoir un salon qui a un pôle électrique et à côté genre les flinguer comme les ça, flinguer sur la compète, je trouve ça. Bref, moi j'avais quand même un peu les crocs parce que je te voyais rouler et tout. À la fin du salon, j'avais oublié ça. Petite défoule. On a réussi à avoir autorisation pour aller rouler sur le terrain d'essai des trails. Ouais, parce qu'en fait on voulait y aller mais on n'était pas autorisé parce que il faut payer pour l'accès à cette piste trail. Joe, je le voyais qu'il était en mode de... j'ai envie de rouler. D'abord, je suis allé demander, on pouvait, et du coup, on a pris la Talaria pour finir et la Ultra Bi Prépa, et on a fait deux petits, chacun un tour sur chacune des motos à se tirer la bourre. Le circuit était vraiment cool. Le circuit était cool. Sur le coup, on se dit tellement pas adapté, mais en fait, si. Fin... Trop bien. Il y avait plein de gens qui voyaient des trails. Là, ils nous ont vu les deux arriver avec les casques cross, prendre tous les virages en glisse et tout, à se tirer la bourre et tout, à sa distance. Vous y allez mollo, hein. Ouais. Vous sautez pas, hein. Sur le pont, là, on commençait même à faire des petits moves et tout. Dès que je sautais, que j'entendais le blabla des planches, je regardais s'il n'était pas en mode... Bon, ils s'en foutaient. Donc ouais, ça, c'était le petit défouloir de la fin qui était cool. Super expérience, super salon. Je pense, dans tous les cas, on y retournera l'année prochaine. Ouais. Soit en visiteur, soit en exposant. C'est ça, c'est sûr. Mais je pense quand même que ce sera en exposant. Ce serait vraiment cool. Sachant qu'il y a LPDV, le distributeur de XT, qui veulent le faire. Ouais. Parce que eux, maintenant, ils font de l'entretien suspension moto, etc. D'ailleurs, si vous avez des suspensions de votre Light Bee à entretenir, n'hésitez pas, ils sont top. On y retournera dans tous les cas. Oh ouais, c'est clair. Bon, ça y est, les gars, le salon du Dérou, c'est fini. Tout le monde est en train de. C'est le clap de fin. Merci à tous ceux qui sont passés sur le stand. Vraiment cool. C'était vraiment une chouette expérience. Et ça commence déjà à réfléchir à des trucs cool l'année prochaine. Ouais. Donc, à plus.